Coucou. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire et à écrire les chiffres romains. La numération romaine était utilisée par les Romains de l'Antiquité avant l'arrivée des chiffres arabes. Aujourd'hui, on retrouve encore ces chiffres sur certaines horloges, en histoire lorsque l'on parle des siècles ou des rois, ou même dans certains titres de jeux vidéo. Cette numération utilise sept symboles. Qui correspond de chacun à un nombre. Le signe i représente le nombre 1. Le V est égal à 5, le X à 10 le L à 50, le C à 100, le D à 500 et le M à 1000. C'est une numération additive, c'est-à-dire qu'elle utilise le principe de l'addition. En fait, la valeur d'un nombre se détermine en faisant la somme des valeurs de chaque symbole. Ici, pour connaître la valeur de ce nombre, il faut additionner la valeur du V et du I, c'est-à-dire 5 plus 1, ce qui fait 6. Un autre exemple, D est égal à 500, C est égal à 100, L est égal à 50 et I est égal à 1. Ce nombre est donc égal à 500 plus 100 plus 100 plus 50 plus 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 753. Un nombre se lit de gauche à droite. Et les symboles sont groupés par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Pour écrire le nombre 1515 en chiffre romain, il faut donc écrire M, D, X, V. Cependant, un même symbole ne peut pas être utilisé plus de trois fois de suite, sauf le symbole M. Par conséquent, pour écrire le nombre 4 en chiffre romain, on ne peut pas écrire I, 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 I. On va alors utiliser une autre règle de la numération romaine. Cette règle est la suivante. Si un symbole est placé à gauche d'un symbole plus grand, on le retranche au lieu de l'ajouter. Par exemple ici, I est placé à gauche d'un symbole plus grand, V. Il faut donc le retrancher au lieu de l'ajouter. Ce n'est donc pas 5 plus 1, mais 5 moins 1, ce qui fait 4. Un autre exemple. Dans ce nombre, C est placé à gauche d'un symbole plus grand, D. Il va donc falloir le retrancher. De même pour i placé devant le x. Ce nombre est donc égal à 1000 plus 400 plus 50 plus 9, soit 1459. Pour reprendre tout ça, il y a donc 7 symboles dans la numération romaine. I, V, X, L, C, D, M. Voici un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir de l'ordre. Il vexe le commun des mortels. Les nombres se lisent de gauche à droite en faisant la somme des valeurs de chaque symbole. Une somme, c'est le résultat d'une addition. On ne peut pas utiliser plus de trois fois de suite le même symbole, excepté le symbole M. Si un symbole est placé à droite d'un symbole plus grand, on l'ajoute. S'il est placé à gauche d'un symbole plus grand, on le retranche. A très bientôt